Excellence Magazine. Prince William Ishiki, merci de nous accueillir chez vous dans le cadre de notre magazine qui vise de l'excellence. Une fois de plus, bienvenue. Merci beaucoup, madame. Alors, vous êtes président de l'Union nationale des nationalistes INANA et ministre honoraire, c'est ça? Absolument. Où étiez-vous passé depuis tous ces temps? On ne vous a pas senti dans les médias. Certaines langues pensent que vous étiez sous arrestation. Qu'en dites-vous? Oui, effectivement, madame, j'avais pris d'abord moi-même un peu de recul, presque 2 ans de maquis, et ayant compris que je n'arrivais pas à me faire comprendre dans l'opinion publique. Vous savez, on m'a toujours appelé prophète. Tout ce que je disais, c'était avéré vrai. J'étais obligé de me retirer un peu de la scène politique active. Et c'était aussi une occasion pour moi de préparer les élections. Effectivement, je fus arrêté et d'abord condamné pour 9 jours pour coups et blessures volontaires d'une personne que je ne connaissais même pas, que je n'ai jamais rencontrée dans ma vie. Et lorsque j'ai interjeté appel contre les 9 jours, on m'a collé 4 mois exactement qui coïncidaient avec la période de campagne. Donc c'était la pré-campagne et la campagne. Donc, votre participation aux élections? Absolument, mais heureusement, j'ai fait 2 semaines de campagne et aujourd'hui, vous allez sur www.ceni.fd, vous constaterez que je suis le meilleur élu de Walikale, malgré que la CENI a ramené mes voix de 54 000 à 123 voix qui ont été présentées devant la Cour constitutionnelle avec des procès-verbaux certifiés et cotés par les greffes de la Cour constitutionnelle. Mais la CENI m'a donné presque 12 900 voix, mais qui faisait toujours des mois premiers. Donc les 2 semaines de campagne ont balayé tout ce temps-là. Et mon arrestation, c'est un secret de Polichinelle, c'était des règlements politiques. C'était un montage, on a monté une dame. Commandité par qui? Absolument, c'était commandité par mes adversaires politiques. Vous savez très bien que j'étais au gouvernement d'Union nationale, et contrairement à mes collègues qui ont adhéré dans l'FCC, moi j'ai dit niette. J'ai adhéré à la Mouka, ce qui n'a pas plu mes anciens camarades. C'est de bonnes guerres, je suis habitué à ce genre de petits coups bas, madame. Alors, vous avez dit que vous avez participé, vous avez pris part active aux élections de décembre dernier, mais qu'avez-vous récolté finalement? Absolument, je suis très fier, puisque comme vous savez, dans ce pays, nous avons des députés nommés et des députés élus. Moi, je suis fier de le dire, je suis député élu de la circonscription électorale de Walikale. Mes électeurs m'ont massivement élu et évidemment, le discours de la Mouka a séduit et mes électeurs. Et mon candidat que j'ai soutenu a fait 85% de voix exprimées dans ma circonscription de Walikale. Moi-même, j'ai fait 51% les vraies voix, ce qui me faisait déjà de moi un élu spécial. Puisque en vertu de l'article 118.3 de la loi électorale, lorsque vous arrivez à atteindre plus de 50% de suffrages exprimés de votants dans votre circonscription, vous êtes élu spécial. Donc je suis très fier, j'ai fait un très bon score, malheureusement, avec les irrégularités et fraudes qui ont émaillé les élections de décembre de l'année passée. On a dit que les RASOP, les rassemblements qui étaient mon regroupement politique n'a pas atteint les seuils. Nous sommes allés à la Cour constitutionnelle avec 99% de mes PV. Je suis parmi les rares requérants qui ont réussi à réunir autant de preuves. Les ministères publics absolument, mais je félicite quand même le parquet général près de la Cour constitutionnelle qui a déclaré notre requête non seulement recevable et fondée, mais a demandé le recomptage de voix. Et c'est à l'issue de ce recomptage de voix qu'on a constaté que les RASOP avaient bel et bien atteint les seuils avec 216 337 voix. Et automatiquement, je devais être déclaré élu. Malheureusement, il y a eu encore de la politique au niveau de la Cour constitutionnelle, ce qu'on a décrié.
Et au contraire, il y a mon collègue, le ministre Emery Okundji, de la circonscription de Lubefu, qui, suite à cette atteinte d'essai, est aujourd'hui déclaré élu de la circonscription électorale de Lubefu. Donc vous comprendrez, madame, qu'il y avait vraiment un acharnement sur ma personne. C'est ça qui me fait encore endurer dans ces combats, puisque nous menons un combat juste et loyal. Voilà, vous avez dit que vous êtes de la plateforme Lamouka et que votre candidat malheureux, Martin Fayulu, poursuit sans relâche le combat sur la vérité des urnes. Pensez-vous que c'est toujours opportun, 6 mois après? Non, je pense que nous avons la vérité des urnes, madame, c'est une réalité que nous avons vécue. Mais c'est juste une petite partie de notre combat. Notre vision, ce n'est pas la vérité des urnes. Ça, nous l'avons déjà dépassé. Aujourd'hui, mais nous devons aujourd'hui combattre pour le vrai changement. Et le vrai changement, entre autres, inclut la mauvaise gouvernance, inclut la corruption. Et s'il n'y avait pas corruption, s'il n'y avait pas mauvaise gouvernance au niveau de l'administration électorale, aujourd'hui, Martin Fayulu serait naturellement... Tout le monde dit qu'il y a eu corruption à la tête du pays. Absolument, absolument, tout le monde le dénonce. Même le chef de l'État sortant a y allé dur. L'actuel, l'entrée, il l'a dit. C'est un secret des polichinelles. Mais maintenant, il faut savoir comment le faire. Puisque c'est nous qui devons endiguer cette corruption-là. Il n'y aura pas de gens qui viendraient d'ailleurs pour le faire. C'est pourquoi nous avons choisi la Mouka dans cette vision-là de la Mouka, puisque la corruption est aujourd'hui à la base de toute la misère que nous connaissons dans ce pays. Et c'est comme ça que nous avons regretté le fait que la Cour constitutionnelle, qui est la plus haute institution de la République, qui devrait remettre la pendule à l'air, et aussi tomber dans cette corruption-là. Voilà pourquoi nous avons opté pour mener ce combat au sein de la Mouka, puisque la Mouka aujourd'hui, c'est l'alternative de tout ce que nous avons connu comme misère pendant les 18 ans de règne de Kabila. Vous ne pensez pas que la Mouka finira peut-être un de ces 3-4 matins, parce que les gens sont en train de partir. Qui sait si demain vous partirez aussi? Non, madame, la Mouka, ce n'est pas d'abord les individus. Les hommes passent, mais l'idée de la Mouka restera toujours à jamais. Personne ne pouvait croire qu'une organisation aussi petite que la Mouka, montée à la hâte, à la veille des échéances électorales, pour désigner une candidature unique de l'opposition, ait récolté autant de voix ici. Je donne le cas de Martin, par exemple. Martin ne parle même pas un mot de Swahili, mais il a été massivement élu chez moi, au Nord Kivu. Il a fait plus de 80%. Parce qu'il y avait ceux de l'Est qui étaient là, de l'Ouest, tout ça, ça fait un bloc. Oui, c'est ce que moi j'ai dit, que ce n'est pas question d'individus. C'est-à-dire que les gens ont cru à l'idée. Les idées aujourd'hui véhiculées par la Mouka séduisent nos électeurs, et surtout que le peuple congolais est en train de souffrir. Le peuple cherchait quelle est la nouvelle formule. Et la Mouka a apporté cette formule. Donc, il ne faut pas voir les individus. Les hommes peuvent passer. Vous n'êtes pas en perte de vitesse après le départ de Moussa Niamoussi et puis de Freddy Matungulu? Je ne pense pas. Au contraire, quand vous constatez sur le terrain, la Mouka se solidifie, puisque tous ces faibles-là, tous ces mauvais produits sont en train de disparaître. Moi, j'ai une expérience que je peux vous donner. Non, bien sûr, puisque lorsqu'on ne résiste pas au combat, même moi aujourd'hui, si je suis essoufflé, je partirai. Mais je ne partirai pas avec la Mouka. Mais les raisons d'abord que ces deux collègues ont avancé, personnellement, ne m'ont jamais convaincu. Moussa Niamoussi, il a dit, c'est mon frère que j'apprécie beaucoup, il a dit qu'il a quitté la Mouka pour se consacrer à la lutte contre le virus d'Ebola. La deuxième raison, c'est pour aider le gouvernement en vue de mettre fin à l'existence des groupes armés. Moi qui vous parle, depuis plusieurs années, j'ai travaillé pour éradiquer les groupes armés à l'est du pays, et en particulier au nord et au sud de Kivu. Puisque c'est une insulte pour nous d'avoir des groupuscules, des groupes armés. Avec quel résultat? Justement, le résultat est mitigé. Évidemment, c'est un travail qui reviendrait au gouvernement, mais nous apportons notre modeste contribution. Depuis 6 mois, je participe activement dans la campagne contre
la riposte du virus d'Ebola. Je le fais comme la mouka. Je ne vois en rien. Vous avez suivi Martin Fayoulou, vous avez suivi récemment Bemba. Tous sont engagés dans cette lutte contre la maladie du virus Ebola. Donc, ça n'enlève à rien notre appartenance à la mouka. Donc, c'est pour dire que les amis ont d'autres idées qu'ils cachaient, mais la vérité finira par triompher. Le collègue Matungulu, il a obtenu un poste, il pouvait le refuser comme il pouvait le prendre. C'est vrai qu'en tant que fonctionnaire international, il ne peut plus avoir un engagement politique. C'est pour l'intérêt national. Absolument, tu vois, moi j'ai dit. Si vous travaillez pour la nation. C'est comme moi aussi aujourd'hui. Pourquoi ne pas accepter ? Absolument, s'il y a aujourd'hui des idées, madame, dans le sens de soutenir l'intérêt supérieur de la nation, il y a quand même des choses qui nous unissent, comme la lutte contre le virus, la maladie à virus Ebola. Nous devons être unis. La lutte contre les groupes armés, on doit être unis. La lutte contre la pauvreté, il n'y a pas de coloration politique pour ça. C'est pourquoi moi j'ai dit qu'aujourd'hui, nous menons une opposition citoyenne, une opposition réaliste. C'est-à-dire, lorsqu'il y a de bonnes choses que le gouvernement en place fait, nous allons les soutenir. Nous, notre combat aujourd'hui, c'est l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. C'est ça notre cheval de bataille. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la corruption. Vous avez donné un ultimatum de 2 jours à un juge de la Cour constitutionnelle que vous avez contacté. Évidemment, pour corruption, qu'en est-il de cet ultimatum? Absolument, l'ultimatum avait déjà expiré. Vous savez, nous sommes des sages. J'étais approché par d'autres organisations et on a voulu faire une action d'ensemble. Vous savez, dénoncer un juge, c'est bien bon, j'ai toutes les preuves pour le faire, des audios, des vidéos. Mais nous avons dit que ce n'est pas le seul juge, c'est une action d'ensemble. C'est ainsi qu'avec les amis de CLC, les amis de la CAGE et d'autres organisations d'élite contre les droits à la corruption et les droits humains, nous nous sommes mis ensemble et le CLC, à travers cette organisation, a écrit à la Cour constitutionnelle pour lui demander de pouvoir démissionner dignement. Et nous pensons que cette demande-là pourra être accédée par la Cour constitutionnelle pour nous éviter le pire. Sinon, nous serons obligés de mener des actions de riz, des actions citoyennes pacifiques en vie, d'avoir une cour constitutionnelle digne de l'être. Voilà, revenons sur les élections. Récemment, il y a eu une élection au Sénat. Vous avez soutenu la candidature de Modeste Bahati pour quelle fin? Absolument. Vous savez, l'élection au niveau du perchoir du Sénat est un enjeu politique important. Important d'abord puisque le Sénat, c'est la chambre de la sagesse et à sa tête, on ne pouvait pas imaginer que quelqu'un qui porte le sang dans ses mains puisse assumer ces charges importantes. De deux, vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a des complots par-ci par-là qui sont ourdis contre la République. Nous avons voulu alerter l'opinion publique contre les coups qui pourraient demain se produire. Et nous avons aussi sympathisé. Vous savez, nous sommes en démocratie, même si nous sommes dans la mouka. La stabilité des institutions nous concerne tous. Si aujourd'hui une institution est instable, c'est tout le système politique qui va être effondré. Nous n'allons pas faire des meetings, nous n'allons pas communiquer, puisqu'il y a un problème. On sait comment le chaos commence, on ne sait pas comment ça finit. Vous savez, au niveau du FCC, il y a plusieurs regroupements politiques. On n'a pas compris comment quelqu'un comme Tambwe Mwamba, qui a aujourd'hui de difficultés avec la justice internationale. Vous avez suivi vous-même la résolution récente du Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'impose aux États membres. Et en vertu de notre propre constitution, notamment, je crois, l'article 215, si je ne m'en abuse pas, les résolutions prises au niveau des organisations internationales dans lesquelles nous avons librement adhéré ont une suprématie sur les lois de la République. Et le Conseil de sécurité, à travers cette résolution-là, a demandé au gouvernement de la République, et en particulier au chef de l'État, de pouvoir exécuter tous les mandats d'arrêt et les décisions prises par la communauté internationale contre certains compatriotes, notamment, qui ont été impliqués dans les violations des droits de l'homme, le détournement des fonds publics. Or, alors qu'aujourd'hui, il y avait un candidat qui aujourd'hui est poursuivi par la justice internationale. C'est pourquoi nous avons voulu
attirer l'attention des sages sénateurs sur leur choix utile. Puisque choisir quelqu'un comme Tambo, les sénateurs ont fait leur choix, c'est la démocratie, nous acceptons, mais ils doivent aussi demain accepter les conséquences. Je ne serai pas surpris demain qu'on refuse le visa, par exemple, aux sénateurs, qui est un embargo contre le Sénat congolais. Or, si le Sénat est aujourd'hui frappé d'embargo, de sanctions, donc c'est toute une institution importante qui serait fragilisée. Or, nous avons constaté que les sénateurs, c'est vrai, ont quand même créé une sorte d'équilibre en votant à la première vice-présidence quelqu'un qui était dans les tickets virtuels de Modeste Mbadi, qui est l'ancien Premier ministre, l'honorable Sami Badibanga. Et vous savez très bien que cela nous a rassurés quelque part, puisque le premier vice-président est, entre autres, en charge des relations avec la Cour constitutionnelle, les assemblées provinciales et l'Assemblée nationale. Donc nous pensons que l'honorable Sami Badibanga pourra jouer un rôle important en vue d'éviter ce complot que nous avons voulu attirer l'attention de la communauté internationale sur les dangers de l'instabilité des institutions de la République. Et nous avons constaté aujourd'hui qu'aujourd'hui, il y a deux gagnants au Sénat. Il y a l'ancien président Joseph Kabila avec 60% et le nouveau leader, maintenant, puisqu'il est maintenant l'autorité morale de l'AFDCA, Bahati Modeste, qui a fait 40% d'expression de voix au niveau du Sénat. Donc aujourd'hui, Bahati Modeste est incontournable au niveau du Sénat. Il n'y aura aucune décision qui pourrait passer au Sénat sans pour autant prendre en compte les voix de Bahati. Alors, en vue de la formation du prochain gouvernement, Sylvestre Ilunga-Ilunkamba débute déjà ce 7 août des consultations formelles. Mais entre-temps, le professeur Bahati Lukubo revendique quelques postes ministériels. Comment jugez-vous son attitude? Oui, je trouve son attitude tout à fait fondée, d'autant plus qu'il a fait allégeance au chef de l'État. Et l'AFDCA, dirigé par Bahati Modeste Lukwebo, et a fait allégeance au chef de l'État, qui est le chef de la coalition FCC-CACH, automatiquement AFDCA entre dans cette coalition. Or, comme vous le savez très bien aujourd'hui, Bahati contrôle 40% de la puissance électorale du Sénat. Donc, le prochain gouvernement a tout intérêt d'être avec lui. De deux, au niveau de l'Assemblée nationale, il a officiellement 44 députés, ça c'est officiellement, mais on nous dit dans les coulisses qu'il aurait autour de 82, puisqu'il y a aussi des députés indépendants qui jusque-là étaient dans des regroupements sans pour autant un fondement idéologique, mais qui sympathiseraient avec l'honorable Bahati Modeste. Donc aujourd'hui, comme lui, il a fait allégeance au chef de l'État, le président de la République, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions de la République, pour la stabilité même de son propre gouvernement, devrait prendre en compte Bahati dans la formation du gouvernement de Sylvestre Ilunga. De deux, oui, puisqu'il est dans les négociations, d'ailleurs il était parmi les négociateurs du FCC, et dans les quotas attribués au FCC, il y a un regroupement qui s'appelle AFDC. AFDC est toujours à sa part dans le FCC. Donc, or, aujourd'hui, l'AFDCA est représentée par Bahati Modeste. Donc, on doit tenir compte de Bahati Modeste, notamment de son quota. Ne pas le faire aujourd'hui, bon, on peut l'ignorer. Mais ce gouvernement-là sera certainement instable avec les résultats que nous avons constatés au niveau du Sénat lors de l'élection du bureau définitif. Au niveau de l'Assemblée nationale, ça peut être encore pire. Donc, je crois que le chef de l'État, puisque c'est lui le garant de bon fonctionnement des institutions, doit peser de tout son poids pour qu'il puisse intégrer et se rassurer que les quotas de l'AFDCA dirigé par Bahati Modeste sera pris en compte. C'est toujours dans le sens de pouvoir garantir le bon fonctionnement du gouvernement avec une majorité stable. Mais moi, avec mon expérience personnelle, lorsque je vois aujourd'hui la configuration du FCC, je me dis, après la sortie du gouvernement, le FCC risque de perdre déjà 40%. Mais qu'est-ce qui vous rassure? Donc c'est par expérience politique, madame, puisque la plupart des chefs
des partis politiques qui sont dans les FCC aujourd'hui n'attendent qu'une chose, entrer au gouvernement et participer dans la gestion de la chose publique, notamment dans les entreprises publiques. Ils partiront automatiquement puisqu'il n'y a pas de fondement idéologique au sein du FCC. Pas du tout. Je donne au maximum une année à cette majorité ici et je donne maximum jusqu'à la fin de l'année. Le FCC, dans sa configuration actuelle, n'existera plus. Dans une année, on reviendra pour. Absolument, madame. Nous sommes là. La caméra nous tient à l'œil. Je vous dis, dans une année, il n'y aura plus cette majorité-là. C'est une majorité mécanique qui n'est fondée sur aucune idéologie politique. Donc il n'y a pas de vision. Si vous demandez aujourd'hui aux gens de FCC pourquoi vous êtes unis ensemble, qu'est-ce qui vous unit ? Il n'y a rien. Mais en coulisses, ils vous diront la gestion de la République. Donc c'est le pouvoir pour le pouvoir. C'est pourquoi pour eux, le discours est différent. Le peuple est dehors et les politiques d'abord. Alors que chez nous, c'est le peuple d'abord et les politiques dehors. Chez vous, dans la Mouka ? Dans la Mouka, bien sûr. Dans la Mouka, parce que nous sommes des Tshisekedistes. Notre père de la démocratie, notre leader, Maximo Tshisekedi, nous a laissé une phrase magique. Les peuples d'abord. C'est pourquoi même quand vous voyez aujourd'hui la répartition des postes, ça laisse à désirer. Un pays comme le nôtre, qui connaît des difficultés, nous sommes même incapables de payer bien nos fonctionnaires, nous nous permettons d'avoir un gouvernement éléphantesque de 65 membres du gouvernement, avec 42 cabinets ministériels. Vous savez, un cabinet ministériel a entre 40 à 50 personnels d'appoint et d'appui. Vous savez combien ça coûte? Un ministre. C'est éléphantesque déjà, madame, puisque dans un pays, je donne l'exemple de notre leader Maximo, le premier gouvernement de Tshisekedi, lorsque nous sommes ici de la conférence nationale. J'étais dans les coulisses, puisque j'étais quand même un des leaders à l'époque de l'IDPF. Il a fait un gouvernement, un tiers du gouvernement de Mobutu à l'époque. Il a même pris trois grands ministères, il les a confinés ensemble. Les ministères de budget, finance, budget, portefeuille. Il avait nommé à l'époque un certain Attal, qui n'était même pas de son parti politique. Donc c'était pour dire que son fils aujourd'hui au pouvoir devrait s'inspirer de ce que les autres ont fait hier, puisqu'on ne peut pas se permettre. Moi je m'attendais sincèrement au maximum à un gouvernement de 30 personnes. Et dans les 30 là, comme je vis les répartitions, c'est un tiers, deux tiers. Le FCC prendrait dans les 30 18 postes ministériels et on donnerait 12 au cash. Et dans les 18 postes ministériels, on laisserait 2 postes à l'AFDFA qui est aujourd'hui incontournable sur le plan politique. Donc, malheureusement, ce que vous proposez n'arrivera pas. Non, le chef de l'État a encore aujourd'hui le droit de veto. Oui, il peut imposer un veto, parce qu'on a constaté que surtout les négociateurs du cash n'étaient pas suffisamment armés et n'ont pas beaucoup d'expérience dans les négociations. Ils ont pris des ministères qui n'ont pas un impact sur la population. Par exemple, aujourd'hui, nous avons décrié les 18 ans de la gestion du pouvoir par les régimes sortants. Et parmi les choses décriées, il y a la justice. Vous savez, la justice élève la nation. Je suis chrétien, madame. Et nous constatons aujourd'hui que la même justice revient encore au FCC. Nous avons aussi des mandats d'arrêt internationaux qui ont été lancés. Or, le ministre de la Justice et le conseiller juridique du gouvernement, c'est lui l'interface entre notre République et la communauté internationale. Et lorsque vous mettez un ministre du FCC, il ne va exécuter aucun mandat d'arrêt. Et là, nous avons une jurisprudence. Au moment où nous sommes en train de tourner cette émission, il y a le chef de l'État qui a signé des ordonnances nommant certains mandataires publics, notamment à la NCC, à la SNCC et à la GECAMINE. Jusqu'au moment où nous sommes ici, en train de notre mission, ces nominations-là n'ont jamais été notifiées. On me dit même que ces nominations, on les trouve chez les mamans qui vendent des cacahuètes et tout ça à Lumbashi, puisque les promis, les soi-disant promis, ne peuvent pas accéder à leur bureau. Or, là, le chef de l'État est défié par une ministre. Mais justement, c'est ça, moi j'ai dit, c'est un défi. Ce n'est pas elle, c'est sa famille politique, c'est les laboratoires de Kingakate qui fait ça. Et aujourd'hui, on les reconfie encore, les mêmes ministères du portefeuille. Alors, lorsque le chef de l'État, qui est le symbole de la nation,
qui est le garant de la nation. Ses actes ne sont pas exécutés, donc il perd, il devient un président qui règne, mais qui ne gouverne pas du tout. Donc c'est un mauvais président. Et nous qui fréquentons certains salons IP, notamment certains salons diplomatiques, les diplomates se posent beaucoup de questions sur l'avenir politique de Tshisekedi. Est-ce qu'il saura réellement, aujourd'hui, prendre ses arènes de pouvoir? C'est une insulte même à la République, puisque lorsque un acte posé par le chef de l'État n'est pas exécuté, c'est une insulte. Et la dame n'est qu'intérimaire, c'est-à-dire qu'elle est démissionnaire. Alors lorsque nous aurons maintenant un ministre nommé, investi de tous les pouvoirs, je ne vois pas qui c'est qui est de diriger ce pays. Il sera bloqué partout et ça sera la même chose aussi au niveau de la justice. Nous avons un précédent qui est là aujourd'hui et le FCC s'est imposé pour reprendre encore le portefeuille, envie de continuer à mettre les pieds et les bateaux dans les roues du chef de l'État. C'est une insulte, madame. Est-ce que vous vous rendez compte, un chef de l'État en fonction, ces ordonnances-là ont été publiées au journal officiel, mais les heureux promis ne sont pas toujours dans leur bureau aujourd'hui. Et on en profite pour assainir, pour plutôt saigner les deux entreprises en question, de façon que même si on les remettait demain, elles seront vraiment, elles auront des caisses vides comme on l'a constaté un peu partout. Les finances, nous avons aujourd'hui une commission internationale qui est tentée d'enquêter sur le pillage des ressources congolaises, notamment au niveau des ministères des mines et des finances. Et les FCC, stratèges qu'ils sont, ils ont encore récupéré les mines. Vous savez que notre économie est basée sur les mines. Comment M. Tshisekedi Félix va-t-il développer le pays s'il n'a pas le contrôle sur les mines? Comment va-t-il développer le pays s'il n'a pas la gestion des finances publiques de l'État? Et là, nous parlons d'un gouvernement démissionnaire. On ne parle pas encore même d'un gouvernement qui serait investi. Alors, puisque nous savons très bien que selon la Constitution, le président ne peut pas limoger le Premier ministre, encore moins même le ministre. Alors, comment va-t-il gérer ce gouvernement? Nous disons qu'il a tout intérêt aujourd'hui à ne pas avoir un tel gouvernement que de l'avoir, puisque c'est un gouvernement qui va le faire échouer davantage. On lui confie le ministère à problème, comme le ministère de l'Intérieur. Si aujourd'hui Boshab a des problèmes, le peuple congolais a opté pour le changement radical. Lorsque le même Jean revienne, ça serait comme si on déshabillait Saint-Jean pour habiller Saint-Pierre. Voilà, ça sera ma dernière question. Quelle relation avez-vous actuellement avec le président de la République et son parti? Bon, nous avons des rapports excellents. Vous savez très bien que d'abord, je suis une enfant maison. Etienne Tshisekedi Wamulumba n'est pas seulement mon mentor politique, mais il était pour moi comme un papa. Et maman Marthe, c'est ma maman. Donc, les relations humaines sont très bonnes, mais politiquement... Non, il n'y a jamais eu de problème, madame. Tout ça, c'était des histoires de cabales montées. Je n'ai jamais dit que le président Tshisekedi ne reviendrait pas vivant. J'avais dit que le président Tshisekedi ne reviendrait pas occuper le poste du président du Sénat. Regardez aujourd'hui le poste... Et lui étant stratège, moi, en tant que parmi ses partisans, les connaissant bien comme ma petite poche, j'ai dit le président ne reviendrait pas occuper ses postes. C'était clair.
On a voulu juste me nuire politiquement et heureusement, la famille Tshisekedi était au courant. Ils n'ont jamais fait un problème. Donc nous avons des rapports humains bien avec le président Félix, mais politiquement nous avons des divergences puisque le fait qu'il ait embrassé le FCC ne nous rassure pas pour nous de la Mouka. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre magazine de Moments d'Excellence. Vous avez quelques secondes pour passer votre message seulement en ligne de langue nationale. Oui, nalinga kina lo baboye ke baimboka il faut te fungula miso. Ndenge ndeko munguludiaka bandai koloba mboka ezali kofanda na creek moni soki eloko za na creek a tout moment epi kokoya soki lobi e baby eza makambo na biso nyoso eza makambo ya la mukate ya kachete ya FDC AT ya FCC T ezali le kambo ya mboka ndeto kosenga ba imboka ba fungula miso toti a vraiment molende gouvernement a 105 ministres e kosala eloko moko te eza pasi mingi ba ministère wana oyo stratégique et cause à la tête na bato bakamba mboka pendant 18 ans basale le côté yango to sengi na président Tshisekedi a utilisé veto na ye d'abord pour na réduire l'état ya gouvernement wana parce que c'est impossible na économie na biso eko ka prendre en charge et le kwa ndengo wana avec plus de 2000 collaborateurs au bakonza na ba cabinet ministériel avec au moins le ministre moko azaka d'abord ngana zaki ministre na zaki na mutuka na nga moko mutuka ya mama ya mwasi na nga mutuka ya bana kelasi directeur de cabinet nanga aza na mutuka cabinet mutuka bona ka ministère ka cabinet ka moko skotala nganga za ka vice ministre abesamao siko ministre aza na combien ba salaire na biso ba bafuta ka biso vraiment il faut pas lelo toluka nano kolanda makambo ndeko na biso atikela biso tata na biso chekela lobby d'abord peuple d'abord lelo na komi peuple dehors les politiciens d'abord yango na bi ba imboka to fungula miso droit na biso soki eloko mbeba esalami eloko moko esalami ya mabe mobulute to tombwama to marcher pacifiquement puisque likambo zoko salama ezali likambo à venir ya biso na bana na biso. Voilà amis téléspectateurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre magazine dénommé Excellence. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui Prince Willy Mushiki, président de l'Union nationale des nationalistes INANA et ministre honoraire. Avec nous, on parle des questions d'actualité. J'espère que vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Retrouvez-nous prochainement avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Excellence Magazine.